donc on est rendu au... merci d'avoir fait une grimace dans les deux. Fait qu'on est encore au ouest. Salut! On est encore au ouest parce que dans le fond... Vas-y Jacob! Parce que dans le fond, on est venu pour faire les manèges parce qu'hier on n'a même pas vu c'était où. Fait qu'on va vous emmener avec nous aujourd'hui aussi. Ça se peut que je bloque pas même parce que les gens sont malaisants alentour de moi. On est rendu genre 5h30, rien de niaiser. Puis là, on est arrêté de prendre un petit truc au Starbucks. Ah, ça me vient de l'info. Arrête! Je vais m'éloigner de lui. Fait là. Fait que là, ça me gêne quand vous êtes là. Mais là, regarde. Bref, okay, on est arrêté au Starbucks, puis là on s'en va au truc. Galaxy Land. Je vais vous raconter ma petite épopée du Starbucks. Dans le fond, la fille me demande c'est quoi ton nom. Je viens pour dire Virginie. Mais elle comprend pas Virginie, tu sais, vu que c'est vraiment plus francophone. Fait que là, moi pour être bright, j'ai dit Verge. Là, la fille a pas arrêté. Hein? Tu fais des mystérieux? Non, c'était une vidéo sur YouTube. Oh! Oh! Fait que là, bref, j'ai dit Verge pour qu'elle comprenne mieux. Et puis là, la fille a pas arrêté. Puis elle me dit, oh, c'est la première fois que j'entends ça. Ha, ha, ha. Parce que là, je me rends compte que, comme j'ai dit que je m'appelais Verge, comme une verge, comme un pénis. Fait que bref, sur mon truc de Starbucks, c'est écrit Verge, comme un pénis. Je suis vraiment un peu blingue dans la vie. J'ai vraiment pas catché au début, c'est comme après. On vient de terminer la journée où... Je sais jamais les noms où est-ce que... Je sais jamais les noms où est-ce qu'on est, mais en tout cas... Comment ça s'appelait où est-ce qu'on était? Galaxyland. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on vient de terminer la journée. Puis genre 9h et... Je suis plus capable. Ça fait 18 ans que j'ai fait des vidéos à cause de vous autres. Fait que c'est ça. Non, qu'est-ce que vous avez préféré? Marie, c'est quoi t'as préféré? Moi, ce que j'ai préféré, c'est le gros truc jaune. Le gros truc jaune? C'est lui qui tournait. Ouais, moi aussi, c'était mon préféré. Ouais, moi avec. Ouais. Vous autres, c'est le gros jaune. Ouais, mais vous autres, vous êtes des malades mentales, là. Ouais. Puis le pire, Marie, c'était lui qui est tombé, il était genre pas fermé. Ah, mais il était le bon, là, on virait à l'envers. Mais explique comment ça s'est passé.
Mais en fait, c'est à cause que mon bain était pas correct, fait qu'il fallait qu'on sorte du manège. Son bain, il arrivait pas à boire. Ouais. Mais est-ce que vous étiez partis? Non, non. Oh, ok, ok, je pense que vous étiez partout. Hein. Parce que pour vrai, ce manège-là, on dirait que t'es pas attaché, genre. Ouais, on dirait que tu vas tomber, c'est vraiment parce qu'il est retard, t'as la tête en bas, genre. Ouais, c'est lousse. C'est lousse. Mais c'est fun. Quand t'es pogné en haut, là. Ouais, pas vraiment le fun, en tout cas. C'est pas très sécuritaire, là. Fait que, bref. Mais j'enlève ça parce que. Le leader est fermé. Non. Le soir. Ah, fait qu'on peut pas passer par le winner. On est con. On est élastique en même temps. Fait que, bref, on va trouver notre sortie parce que, c'est ça, on est un peu perdu. Puis on s'en va manger dans le char nos sandwichs. Puis ben. Bravo. Si je vous parle pas, ben, à la... merci d'avoir écouté la vidéo. Puis on se reparle à la prochaine. Salut. Bye tout le monde. Bon matin tout le monde. Donc, je vous parle en direct de notre chambre. Et dans le fond, là, c'est notre avant-dernière journée à Edmonton. Fait que hier, je vous ai pas filmé grand-chose, mais hier, finalement, c'est, on est allé au West, puis on est allé au Galaxyland, qui est comme, dans le fond, des manèges. Puis on en a fait vraiment, vraiment beaucoup. On a magasiné aussi avant. Puis après ça, quand on est arrivé, on est allé aussi à la pharmacie, qui est comme un pharmacie ici, là. Puis on a dévalisé. Fait que ça. Puis on est revenu vraiment tard le soir. Puis après ça, on a eu bien du plaisir. On a joué à Fuck You, pour les gens qui connaissent ça, mais c'est un jeu avec l'alcool. C'est du papier cul. Je me lève un peu, ça va casser. Non, mais non, ça a l'air solide. Ça a l'air solide. Ça a l'air solide, faut que tu le mouilles. Pisse dessus. Mais pas celle-là, s'il te plaît. Non, mais fais un nœud, puis rendu dans la bouche. Comme un petit cochon. Split-les, là, puis ça va faire un genre de courbe. Oh, sinon, ça le twist. C'est beau, vous. Il est baïonné. Oh. Je suis en train de me tuer. Pas mon bout! Ça marche pas! T'as vu, moi! Fait que bref, on s'est couché très tard, il était environ genre 3h30 du matin. En fait, plus 3h. Fait que bref. Ce matin, je me suis réveillée quand même assez tôt. Fait que j'ai fait à déjeuner à tout le monde. Puis Bruno m'a aidé. Puis on a ramassé tout ça. Puis là, on est prêt pour aller bientôt à la plage. Donc, on va aller à Boba, whatever. C'est le chat qui est rentré. Fait que bref, on s'en va là-bas. Puis ce soir, on s'en va marcher dans. Genre la ville d'Edmonton, là, fait qu'il y a au centre-ville. On va aller porter les filles, parce que là, vous avez sûrement vu dans mon vlog qu'il y avait des filles avec nous. Dans le fond, c'est les petites sœurs à Donovan. Et Donovan, c'est, dans le fond, le chum à mon amie, Sabrina, qui nous accueille chez elle. Fait que si vous avez suivi, bref. Fait que c'est ça, à ce soir, les filles s'en vont. Bon, là, on est rendu je sais pas trop où, perdu. Non, mais sans farce, parce que ça nous a pris vraiment beaucoup de temps de nous préparer à partir. Fait qu'on n'a rien pensé. Fait qu'on n'a pas amené d'eau, on n'a pas amené de crème solaire, on n'a pas amené de bouffe. Fait qu'on a essayé de trouver une épicerie, mais on connaît pas le coin. Fait qu'on s'est ramassé. Je sais même pas on est où, sincèrement. Je peux pas te dire. Ouais, on était à Wabab. Non, tu l'as mal dit encore. Wababoum. Wabamoum. Non, c'est Wababoum. Non, c'est un M à fin. Pour vrai? Ouais, c'est Wama. Je sais, je Wamamoum. Oui, c'est ça, ça ressemble à ça, c'est U-M à fin. M-U-N. Wamamoum. Wamamoum. En tout cas, on mais est l'autre là. S'appelle Kipawin. Ouais, Kipawin Wamamoun. En tout cas, bref, on est là. Fait que là, mais tabarnak. Oups, j'ai sacré. Tabarouette. Fait que là, dans le fond, on est allé chercher. Ben, au début, on est allé. Attends, au début, on est allé dans un petit casse-croûte, si on veut, genre. Puis, c'était genre 16. Non, au début on est allé au petit Costco de la plage. Ouais. Pis c'était genre 4,50 pour un hot dog. Puis on est vraiment beaucoup. Fait que ça allait nous coûter vraiment trop cher. Fait qu'on s'est dit on va trouver quelque chose de plus proche. Fait qu'on est allé dans un autre casse-croûte qui était genre 5-6 piastres le hamburger.
Ouais. Fait qu'on s'est encore dit que c'était vraiment trop cher. Fait que là, finalement, on a trouvé une épicerie. Un food market. Ouais, un food market. Food market. Ça sort. Fait qu'il y avait pas grand chose non plus, mais on s'est organisé qu'est-ce qu'on pouvait. Fait qu'on a acheté genre des trucs pour faire des sandwichs, de la salade de macaroni. Moi, ça m'a juste coûté 16 pièces. Moi, ça m'a coûté 30. C'est quand même très ouais, bien. Ouais, mais toi, ouais, c'est ça. Toi, t'es vraiment plus de gens nourris, là. Ouais, mais quand même. Contrairement à si on allait acheter ouais, à 4,50, ouais, c'est ça, c'est, ça aurait comme 5 fois 7. T'as essayé d'acheter les breuvages, les scies, les cieux, genre non, c'était vraiment trop cher. Là. Fait qu'on a vraiment fait de côté. Ouais, on a fait une bonne aubaine. Fait que là, on s'en retourne à la plage, c'est déjà rendu 4 heures, mais c'est pas grave parce qu'ici, il fait noir, vraiment, vraiment tard, genre. C'est ça. Ouais. Puis encore là, à 10 heures, je trouve que c'est pas noir comme chez nous, là. Attends. C'est vrai. Fait que ça passe quand même bien, là. Ah, mais par exemple, aller reporter les filles, en tout cas. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Fait que, c'est vrai que là, finalement, on retourne profiter de la plage, c'est parce que nous autres, on devrait pas profiter pas de ça, parce qu'on est arrivé et on est parti. Fait que, on va aller en profiter, puis on va nous montrer. Non, mais on est des femmes du Québec, on prend soin de notre famille, voilà, de nos amis. Exact. C'est. Les hommes, si on les a renvoyés, pas sûr que ça aurait donné la même affaire que nous. Moi, je suis sûre qu'il aurait acheté tous les hamburgers à 5 piastres. Pac, t'as tout et on il aurait pas amené de breuvage, je serais garantie. Ouais, non. Il aurait acheté de la bière. De la bière, ouais, c'est vraiment ça! Oh, les enfants, on a oublié! Ouais, ok, c'est ça. Fait qu'on, ben, en plus, c'est pas vraiment loin, on est peut-être à 10 minutes là. Ouais, c'est ça. Ok, non, c'est ça. Ok, après ça, on s'en retourne à la playa. On est revenu dans le fond chez mon amie, puis elle m'a parlé qu'elle avait le masque, le peel-off. Je sais pas trop à l'acheter sur internet, fait que moi, game comme je suis, j'ai décidé de l'essayer. On dirait que ça me dégouline. Fait que là, faut que j'attende. Non, ça bouge pas, on dirait que ça s'est étendu. C'est lisse. Ouais. Mais faut que j'attende 10-15 minutes pour que ça sèche, puis je vais vous filmer quand je vais l'enlever, puis je vais vous dire si ça fonctionne pour vrai. La marque qu'ils ont pris, c'est Black Mask. Très original comme nom. Ça ouais. Bref, c'est comme tous les masques là, qu'on voit partout là, qui est comme petit tir, ça a l'air que ça fait vraiment mal. Fait qu'on va vivre ça ensemble. J'ai essayé de pogner un petit coin. Oh, Colin, de bien. Ah! Moi, je t'irais plus avec le haut. Ao! Ao! Tu viens de me déformer le nez! Non, non, c'est pas c'est mieux dans le miroir. Ah! Celle-ci est barrée. Je ne peux pas. Oh my god! Ah! J'ai pu pleurer! Ça fait mal? Oh! Ok, on va-tu voir oh les tests? Oh my god! Attention, mettez pas de bananes. C'est dégueulasse! On va prendre la bananes. Est-ce que nous avons le même résultat? Ça n'a rien enlevé. On va regarder là, sur la fin, là. Comme à TV. Dans la vente. Comme ça pour moi. Mais peut-être. Ça m'a juste décapité la face. Oh boy. Ah, c'est le fun, hein? La face pour elle. On dirait que je travaille dans les toitures toute la journée, tu sais. Ah, mais j'ai la face. Faudrait peut-être en boire du savon. C'est bien, je transfère le problème ailleurs.
3, oups. Drink to that. I drink to that. I don't drink, but I drink on tabarnak.